Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 4.2. On va voir les normes irrationnelles. Pour que vous le sachiez, lorsque nous allons faire des évaluations, là, des tests à la fin du chapitre, vous devez utiliser une calculatrice. Vous n'aurez pas le droit d'avoir des téléphones cellulaires. C'est quoi un norme irrationnel? Un norme irrationnel ne peut pas s'écrire sous la forme M sur N, ça c'est, on est seulement en train de dire que ça ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction, où M et N sont des nombres entiers, où N n'est pas égal à 0, alors une fraction avec 0, ça ne fonctionne pas. La représentation décimale d'un nombre irrationnel n'est ni finie ni périodique. C'est ça qui est, je dirais, le plus important ici, puis c'est comme ça qu'on va savoir c'est quoi la différence entre un nombre rationnel et un nombre irrationnel. Nous avons déjà fait du travail en salle de classe, mais les filles, ceci c'était votre travail, où est-ce qu'on avait des radicales ou des fractions des nombres décimaux. Et ceci, ça représente les nombres rationnels. Et à la droite ici, on a le travail à Colin, parce que Colin, je pense, c'est la seule personne, le groupe de garçons qui a travaillé. Et ceci, ça représente les nombres irrationnels. Vous voyez, ce sont des nombres décimaux et ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ici, l'exemple 1, trier des nombres, indique si chaque nombre est rationnel ou irrationnel. Et il faut expliquer comment on le sait. Moins 3 cinquièmes, mais premièrement, dans la définition, on disait que un nombre irrationnel ne pouvait pas s'écrire sous forme de fraction. Ça fait dès le départ, parce que c'est une fraction, on sait que ça va être un nombre rationnel. Alors, ou je peux juste, je fais fois 20, c'est moins 60 sur 20, ça s'écrit sous forme de fraction, alors ceci, c'est un nombre rationnel. Bon, la racine carrée de 14, là, on va jouer un petit peu avec nos calculatrices. Ici, j'utilise un iPhone 5. Alors, pour trouver la racine carrée de 14, ce que vous avez en jaune ici, c'est les étapes que je vais suivre sur ma calculatrice. Alors, je vais entrer 14. Par la suite, je vais trouver le bouton qui ressemble à ceci. Vous voyez ici, 2, ça veut dire que c'est la racine carrée. Alors, je pèse ce bouton-là. Et comme vous pouvez voir, j'ai un nombre décimal qui est très lent. 3,74, ça finit pas. Alors, ceci, ça représente un nombre irrationnel. Mon prochain, ici, j'ai la racine cubique de 8 sur 27. Je peux faire ici, ceux-là, on les connaît assez bien. La racine cubique de 8, c'est 2. La racine cubique de 27, c'est 3. Encore une fois, vous voyez, nous avons une fraction. Ça fait comme ça, on le sait que ça va être un nombre rationnel. Mais on va quand même pratiquer comment faire ça avec la calculatrice. Ça fait, disons qu'il y a des personnes qui ont des calculatrices qui sont très belles, où est-ce que vous pouvez mettre des fractions dans vos calculatrices. Mais dans ce cas ici, je vais le faire, je ne peux pas mettre de fractions. Alors, 8 sur 27, c'est vraiment 8 divisé par 27. Ça fait, si je voulais trouver c'était quoi la réponse de ceci avec ma calculatrice, je ferais 8 divisé par 27. 8 divisé par 27. Je trouve mon bouton de racine cubique qui est ici, ça ressemble à ceci, la racine cubique, je pèse ça, et ça me donne 2,6 périodique. La prochaine chose que nous allons faire, c'est placer ces nombres par ordre croissant à l'aide d'une droite numérique. Et vous allez voir, utiliser la calculatrice ici, c'est gagnant. Ordre croissant, on a des petits trucs. Crescendo en musique, ça veut dire que lorsqu'on joue de la musique, le volume augmente. Alors, disons que c'est silencieux et ça augmente.
Aussi, on dit une personne qui est en croissance, c'est quelqu'un qui est en train de grandir. Alors, ça, c'est l'exemple de un de nos élèves, sa grandeur en troisième année, et ici, sa grandeur en huitième année. On voit qu'il a grandi. Ça fait, ce sont des trucs pour se souvenir qu'on va les placer en ordre où est-ce que le plus petit va être en premier et à la fin, on va avoir le plus grand. Ça fait, on va pratiquer avec nos calculatrices. Ici, on a la racine cubique de 13. Et vous voyez en jaune, c'est les étapes que je vais suivre avec ma calculatrice. Alors, je vais faire 13. Et je vais trouver mon... Je vais peser C. Juste m'assurer que je commence avec 0. 13. Et je vais peser mon bouton racine cubique. Et vous voyez, c'est un nombre irrationnel. Ça fait que je vais arrondir au centième près. Alors, je garde. Centième, c'est 5. Et qu'est-ce qui vient après? C'est 1. Alors, ça va seulement être 2 et 35 centièmes. Je vais mettre environ. Ça fait que je vais mettre mon égal, là, les petites vagues. Ici, j'ai la racine carrée de 18. Je vais en jaune, comme vous voyez, ce sont les étapes que je vais suivre avec ma calculatrice. 18. Et mon bouton, c'est de la racine carrée. Encore un autre nombre irrationnel. Ça fait que ça va être environ 4 et 24 centièmes. Encore une fois, après le 4, ici, on a 2. Ça fait qu'on ne va pas l'arrondir. On va juste laisser les centièmes à 4. La racine carrée de 9, ça on le connaît, c'est 3. Ici, la quatrième racine de 27. Alors, en jaune encore une fois, c'est ce que les étapes que je vais suivre pour être capable de trouver ma réponse. Et comme vous savez, si vous avez une autre calculatrice ou une calculatrice qui est différente de la mienne, là, les étapes ou les boutons sont peut-être un petit peu différents. Alors, je vais faire 27. Je vais trouver mon bouton où est-ce que j'ai un radical, où est-ce que j'ai Y et X. C'est ici. Et passer la quatrième racine, je vais peser 4. Égal. Et ça me donne... Ah, vous voyez ici, je vais arrondir au millième, j'ai 9. Au centième, j'ai 7. Alors, ça va être 2 et 28 centièmes. Ça fait environ 2 et 28 centièmes. Maintenant, je vais faire la racine cubique de moins 5. La façon que je vais trouver la réponse de ceci, encore une fois en jaune, vous voyez mes étapes, je vais peser 5 et j'ai un bouton où est-ce que j'ai plus moins. Si on pèse ce bouton-là, maintenant j'ai moins 5 et je vais trouver c'est quoi la racine cubique. Et la réponse est moins 1 et... Encore une fois ici, les millièmes, c'est 9. Je vais l'arrondir au centième. Alors, mon 0 va devenir 1 et 71 centièmes. Ça fait, si je les place en ordre croissant, j'ai mon moins 1 et 71 centièmes. Je fais un point-virgule pour les séparer parce que dans mes nombres décimaux, j'ai la virgule. Après ça, mes 2 ici, 2 et... 28. Après ça, j'ai 2 et 35 centièmes. 3 et 4 et 24 centièmes. Alors, ceci, c'est 1. C'est 2. 3. 4. Et 5. Alors, maintenant, vous êtes prêts pour travailler le 4.2.